Vous êtes là. Oh pardon, excusez-moi. Lorsque je filme, j'oublie toujours de couper ce qui pourrait produire des petits bruits parasites, tel le vent, mais franchement, n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous parler de Prince Dicky, de Peter de Porter. Un Belge dont je prononce sans doute très mal le nom. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder le superbe et magnifique cocktail que nous avons concocté pour accompagner cette bande dessinée. Aujourd'hui, nous allons déguster un petit whisky sort. C'est sans doute de la famille du hareng. Alors, pour ce faire, il va nous falloir du whisky, un petit Chivas, 12 ans d'âge, à consommer avec modération parce que c'est pas bon le whisky. Du canadou, de la liqueur de sucre et un demi-citron pressé. Alors, pour faire donc ce cocktail, il faut prendre votre shaker, le remplir aux 3/4 de glaçons. Ensuite, vous allez mettre 5 centilitres de whisky. ½ centilitre de canadou, un demi-citron pressé, vous refermez votre shaker, vous secouez, pendant ce temps vous préparez votre verre, vous mettez quelques glaçons à l'intérieur. Une petite rondelle de citron. La vraie recette préconiserait sans aucun doute que nous rajoutions aussi une cerise confite. Malheureusement, je crois que le prince Dicky a dû cela dans le fondement sans doute. Vous le servez et bonne dégustation. Le whisky, c'est vraiment une boisson d'enculé. Et Prince Dicky, il n'en est pas des moindres. Dicky est un personnage qui a été créé par Peter de Porter. Dicky a vécu déjà de nombreuses aventures, et il est actuellement prince dans le tome dont nous allons parler aujourd'hui. Dicky est un petit homme moustachu à la calvitie plus que naissante, qui vit de nombreuses aventures à la recherche d'argent et de sexe. L'argent pour acheter le sexe, et le sexe gratuit s'il peut en avoir. C'est une bande dessinée avec un dessin très naïf, comme vous pouvez le constater, qui laisserait penser que c'est une œuvre pour enfants. Point d'en faux. Ce dessin est totalement en contrepoint du contenu. Prince Dicky est une bande dessinée cynique, noire, trash, mais très drôle. Elle est constituée uniquement de bandes dessinées muettes, la plupart du temps dans des gags en une planche, qui ont un petit côté acide, fort sympathique pour qui aime l'humour noir. De temps en temps, Dicky est remplacé par Vicky, son pendant féminin, qui est une jeune femme à la recherche du prince charmant, et à qui il arrive de nombreux malheurs, car le point commun entre ces deux personnages, c'est la maladresse et la malchance. Prince Dicky est une excellente bande dessinée qui n'a pour seul défaut que de ne pas faire rire forcément tout le monde. Préférez la présenter à des gens à l'humour ouvert, avec qui l'on peut rire de tout. Prince Dicky de Peter de Porter, chez Glénat.